Est-ce qu'on me voit? On voit ton fond de tête, mais c'est pas grave, c'est subtil. Salut tout le monde, comment ça va? J'ai un invité mystère juste ici, subtilement, caché, juste là. Ta-da-da! C'est bon! Hey, bon, on est nouvellement sur YouTube! Oui, mais on va fêter ça! Un petit cheers. Cheers! Puis là, dans le fond, moi pis Maud, on se connaît pas tant, puis on mérite de se connaître. C'est ça qu'on s'est dit aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va jouer à un jeu que j'ai vu sur la chaîne à Marie, que je suis pas capable de prononcer parce que c'est en anglais. Le Newly Friend Game. C'est ça, les nouveaux amis, le jeu des nouveaux amis. Le jeu des nouveaux amis. Voilà! En français, ça fait tellement garderie. Fait qu'on va jouer au jeu des nouveaux amis! Fait que dans le fond, ça c'est simple. Il va y avoir des catégories. Puis, exemple, c'est quoi ton drink? Maud va devoir écrire son drink bref, puis moi, mon drink bref. Puis, on va devoir essayer de deviner. Fait que... C'est parti! Ok, fait que le premier, c'est ton magasin préféré. Ouais, hein? Si j'en ai plusieurs, c'est vraiment le préféré. Ben, on peut en écrire deux, ok? Ok. Ton repas préféré? Ça va être tellement... Un moto. Ça va être difficile. Pas un restaurant, un repas que tu fais chez vous, mettons. Ouais, un repas. Ton drink préféré? Tout le monde le sait. Ah ouais? C'est-tu le point, là? My god, j'ai même la pression. Ta phobie? Ce qui te dérange le plus chez quelqu'un? J'en ai beaucoup. J'en ai pas mis. Aïe aïe, ton youtubeur québécois préféré, t'en as-tu un? Je suis pas très familière avec toi. Fait que le premier truc, c'était ton magasin préféré. On riche, attends, mais on dirait que vite de même, si je te regarde, j'aurais l'impression que ça serait comme un espèce de Zara, genre. Ok, je l'ai marqué. Ouais. C'est vrai? Ouais. Ah, je suis dans un bonne! Oh. Fait qu'il y en a un autre, hein? Ben, il y en a un autre. Connexe à Zara Topshop? Non. Non? Non? T'aimes pas ça pour toi? Ben, j'ai jamais acheté rien là-bas. Ah ouais? Je trouve ça beau, mais on dirait que je pense jamais à y aller. Mais je pense que Juliane, elle connaît bien ça, elle savait beaucoup. Mais ouais, il y a des belles choses, mais non, je n'en ai pas là. Est-ce que c'est un magasin qui vaut cher? Un peu comme Zara, mais c'est en ligne. Ligne? Et moi, je suis née la chier en ligne. J'ai aucune idée. Tu as dessus? Je sais pas, André, je sais pas. Je sais même pas si tu connais mais ça. Mais c'est pas un magasin normal. Il n'est pas un magasin normal. Là. Non. Ça commence par quoi? Ah. Aridia? Non, il n'y a plus de magasin. Mais Aridia, c'est nice, par exemple. Ouais, c'est vrai. C'est pas trop cher. Je vais. Ça, puis Urban Outfitter, j'ai hésité de mettre Urban Outfitter. Ah, j'aurais dû écrire ça. Ça vient de mes pantalons. Ils sont beaux, genre, confortables. Ok, mais dis-moi le 5. C'est Allure. C'est la. Non, c'est une de mes bonnes amies, mais je m'habille. Ah, là, je suis pas habillée en Allure. C'est... Mais d'habitude, je suis pas habillée en. Allure. Allure, c'est une de mes amies en fait. Mais j'en mets tout le temps sur mon Instagram. Ouais. Ton tour. J'en ai quand même eu 1 sur 2. Fait qu'on peut m'accorder un point. Merci, Alain. Ok. Moi, je dirais dans les prix. Ah! Voyons! C'est vrai? Oui! Ok. J'ai écrit prix. T'as-tu mis deux? Non, j'en ai écrit une. Bon, ouais. Dans les prix. Ben oui, parce que Pezzy a le même style que toi, parce qu'elle juste là. Elle est cute, Pezzy. Ouais, adorable. J'adore son style. Et ouais, ça ressemble à ça. Ça ressemble à des. My god, c'est pas un beau compliment. Oui. Voilà. Ben là, faut que tu dises un nom de prix. Ah, ben là, j'en connais pas. Ben là! Impossible! T'en connais aucune! Ben, Village des Valeurs, mais je pense que tu savais là. Magasin préféré, arrête, je suis jamais rentrée là-dedans. Ta gueule. Non. On a un magasin à Manet, tu comprends pas. T'es sérieuse, là? Tout mon garde-robe complet, complet, là. Et genre, ben, gueule. Justement. Non. Ouais, je te dis. Ah. Je te jure. Mais si j'allais, c'est dedans. Non, okay, je vais te le dire, ben. Salut, j'espère. Hey, j'en avais pas que tu l'as eu, fait qu'on a chacun un point. Ok, maintenant, c'est le repas préféré. Ok, est-ce que toi, c'est un basic repas, genre? Ouais. Quelque chose de plus fancy. Basic, non, basic, ouais. Genre que nos parents nous feraient, genre. Ah ouais? My god, tu t'entendrais bien avec mon chum. Genre pâté chinois ou genre spaghetti? Spaghetti. Ah! Gratiné! Gratiné! C'est vrai que c'est bon, les spaghetti. Ouais. Ça passe ça dans le bain. Ouais, faudrait que je m'en passe un, by the way. Je l'écrivais puis je me disais ça. Ouais, un bon drôle parce que mon amie, c'est qui je me souper après, elle me dit ça. Elle fait du spaghetti. Elle voulait manger un spaghetti. Ouais. C'était mon bon du spaghetti. T'es pas végé, toi? Non. Okay. Je fais des efforts, mais les efforts. Ouais. Ça marche pas vraiment. Je comprends. C'est difficile d'être végé. Moi, j'ai pas essayé. J'aime la viande, mais j'aimerais ça, ouais. Mais en même temps, je manque d'inspiration. Mais si on fait des efforts, je pense que c'est ça. Être conscientisé. C'est ça. Ok, ouais. C'est ton tour. Toi, c'est-tu basique? Non. Hein? Ouais. C'est vraiment fait que c'est comme ça se retrouve beaucoup dans les restaurants ou? Ben, j'en ai écrit deux. Ben, il y en a un qui est comme vraiment fancy, puis il y en a un qui est comme, mettons. Ben, pas basique, genre. Ben, tu sais quoi, vu que c'est la mode en ce moment, je dirais tartare. Non. C'est la mode. Non, mais tout le monde aime le tartare, moi j'aime pas ça. T'aimes pas le tartare? Tout le monde à chaque fois prend du tartare quand je vais au resto, puis je suis comme. Est-ce que t'es difficile? Y a-t-il quelque chose que t'aimes pas? J'aime pas les textures. Je suis la genre, j'ai de la misère à manger du yogourt s'il y a pas de fruits dedans, croustillant ah ouais, ou de. Ouais. Du yogourt, mettons. Ben, la non, texture mais... du yogourt, t'es cœur, hein? Ouais, je bois pas de lait, des œufs, faut que je m'en sers avec une toast. J'ai vraiment des problèmes de texture. Genre les champignons, t'aimes ça? Non.
C'est l'horreur. Oh my god, la fête. Mais c'est pas le goût. C'est vraiment la texture, comme le poisson. Tu sais, le poisson, il y en a qui s'habituent au goût, mais juste la texture du poisson. Mais je peux comprendre que le tartare, la texture est quand même un peu weird. C'est la pire à faire, moi. Genre, fait que t'aimes pas les huîtres? Non. Je suis choquée, t'as pas le droit. Mais j'aime tellement les huîtres, je te jure que j'y pensais, mais c'est comme ça un peu plate écrire huître. Ok. Comme repas préféré. C'est quelque chose qui est dans la mer. Ok, c'est genre dans mon rue. Ok, c'est genre la morue. Full spécifique. Je l'avais morue des dégueulasse. Des yeux, tu l'as dit, fait que c'est genre des crevettes en bois. C'est de luxe. De luxe. Ça me fait tellement rire. Non! Ça commence à H. Mais je suis innocente ou? Ah, du homard! C'est parce que j'aime pas ça, je pense que j'aime pas le homard! J'aime vraiment du homard avec du beurre à l'ail. J'aime pas les fruits de mer, mais ouais. Ok, mais t'as une deuxième chance, as-tu vu mon deuxième? Non, j'ai pas vu, je te jure. Ok. Tu l'as maman aussi? Non. J'ai pas d'idée, ça bouffe pas en tout. Je suis tellement déçue. Ah, maintenant, ça se retrouve où? Dans les restaurants. Mais il y en a au dépanneur vraiment chou. Quoi, tu quand tu vas savoir, tu vas faire comme ah! Donc, tu vas faire comme que ça fait de ça. Mais c'est. Tu peux quand même en avoir des vraiment de luxe, comme tu peux t'en acheter un fucking BS au départ en jour. Un salami, genre? Non, mais c'est. Je suis plus capable. Non, mais tu un salami. Ok, ouais, je vois ça. Peut-être que mon repas préféré, c'est juste salami. Au dépanneur, c'est genre des sandwichs au poulet ou des affaires de même, du fromage frais. Tu peux le dire? Ouais, vas-y. Un ramen? Ah mon dieu, c'est bon. On mangeait tout à temps, vous? Ça avec plaisir. C'est tellement bon des ramen. C'est écœurant. Mais à vous, est-ce que tu peux aller dans le poêle? Ouais, avec de l'eau, là, puis ça vient des pâtes, genre. Ben oui, c'est pas moi, ramen. C'est bon, ouais. C'est ma dépendance pour être où je me calme le ramen. Ouais. En tout cas, t'as pas de points. J'ai pas de savoir, mais t'as pas de points. T'as déçu tout le monde, par exemple. Mais t'as d'autres chances de te rattraper. Je me rattrape. Fait que là, j'ai deux points, puis toi, t'as pas de points. Ok, mais toi, ça fait un point. Ah ouais? Ouais, ouais. Ton drink préféré. Ok, tout le monde. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai vraiment de la pression. Ok, est-ce que c'est un drink comme classique girly, mettons? Non, il y a beaucoup de gars qui en boivent aussi. Ok, c'est filles gars. Un rum and coke, genre? Non. Non? Est-ce que c'est quand même fancy, genre? Ah ouais. Est-ce que c'est genre un old fashion? Non. Ah. Ça me fait chier, je sais vraiment pas pourquoi tout le monde le sait. Ben parce que j'en bois tout le temps. Écrivez dans les commentaires. Est-ce que vous savez c'est quoi son drink préféré? C'est sûr. Pour que je me sente mal. Ok, attends. Ah, Colin, ça me fait chier. Ben tout le monde savait les ramen. Écrivez dans les commentaires si vous saviez les ramen pour moi. Ok, attends, concentration. Un Moscow Mule? Non. Un Negroni? Non. Ah! Hein? Mais ça ressemble un peu. Ah oui, ça ressemble à un Negroni? Il y a de l'orange dedans. La perruscrite? Oui. Ah! C'est full bon! Bravo! Oui, mais c'est parce que c'est avec du mousseux. Du mousseux à faire une goutte de soda, fait qu'il y a beaucoup d'alcool dedans. Mais c'est vrai, c'est full bon. Ça passe le temps. Tout j'en mets. J'en ai bu deux. Fait que j'ai un point. T'en as mis deux! Pour me déstresser. C'est assez stressant, Non! Non, moi, je suis gênée. Ok, t'es gênée? Ben oui. Ah ouais? Ça m'aurait pas. T'as besoin de chaussettes quand t'es gênée. Je vais prendre en vidéo, tu vas être le long. Mon drink préféré. Est-ce que c'est de l'alcool fort? Mm-hmm. Je dirais genre un gin tonic. Non. Je suis pas plus fancy que ça. Ah ouais, c'est gentil. J'ai les fucking gin tonic. C'est pas la même chose que moi. Non. Mais j'aurais pu dire toi. Parce que c'est vraiment mon genre. Un vodka soda, genre. Mm-hmm. Merde, c'est pas fancy en tout, un vodka soda. Non, mais qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux voir? Mais c'est connu, là. Ouais. Le monde, ils prennent souvent ça, mettons. Ouais. Je dirais un cognac Red Bull. Non. C'est fucking classe que tu dis. C'est connu, un cognac Red Bull. Ah, ça, c'est pas que j'avais pas de boisson. Ok, je donnais un gros indice. Tantôt, ouais. Je t'ai demandé si t'aimais ça, puis tu m'as dit, genre, ah, non. Ah, un Negroni? Oui! Ah, ouais! Oui! J'aurais jamais pensé! Je te jure! C'est fort! Non, c'est pas pour moi. Hey, c'est fucking bon! Ah, non. J'ai déjà essayé. En fait, à chaque fois que quelqu'un en boit, je prends une gorgée, mais. Ça y va pas. Ça y va pas. Bon, ben, on va dire que t'as un point quand même. Mais je t'ai donné un très bon indice, par exemple. Je suis vraiment très, très généreuse de te laisser un point. Ta pire phobie. Attends, de quoi tu pourras avoir peur? Quand je regarde les deux. Ben, tu dis que t'es jamais. J'ai mis deux choses, mais ça, c'est dans la même famille. Ouais? Dans la même famille, des peurs. Ouais. C'est très bien. Hein? Est-ce que c'est une peur rationnelle ou irrationnelle? C'est quoi cette question-là? Je sais même pas c'est quoi. Mais c'est quelque chose, là. Genre, mettons les araignées. Ouais. T'as écrit les araignées? Ouais. Ben non! Ouais. Yo, on dirait que genre, j'ai vraiment écrit. Ok, ouais, c'est dans la même famille. Mais j'ai vraiment. C'est pas les bébites. Ouais, mais c'est pas vraiment une bébite. Les sapins? Un classique, genre? Ben, les sapins. J'ai eu les sapins aussi, là, mais j'ai vraiment. Le non. C'est une phobie, là, une peur, là. Tu vois, ouais. Je suis dessus, là. Les robes? Les scorpions. Mm-mm. Les scorpions, moi, de fait. Les scarabées. Mm-mm. Des coquerelles. Mm-mm. Ben, des coquerelles, c'est dégueulasse en tabarnak. Ouais, c'est dégueulasse. Yo, j'ai déjà tué une coquerelle. Elles sont dures à tuer en plus, c'est tabarnak. Oui. Ah! Ok, mais ça serait drôle dans le bois, là. Ça serait drôle dans le bois? Oui. Mais c'est une grosse bibite. Un animal? Un gros animal. Je peux pas me prononcer là-dessus. Je sais pas si c'est dans le. Non, c'est pas un insecte, c'est un.
Ben là, tu sais pas si c'est un insecte. Attends, dis-moi le don, je comprends rien. C'est une grenouille. Une grenouille! Ta gueule! Ta pire phobie, toi, c'est grenouille. Les grenouilles! J'ai tout ça mal. Les grenouilles fucking nouilles. Ah ouais, je te jure. Je vais tout le temps m'en souvenir, là, j'étais au chalet de mon oncle, là, quand j'étais plus jeune. Je marchais pour aller, genre, tout bonnement à la rivière, là, il y a une grenouille qui me sautait dessus, j'ai hurlé, là. Je capote, mais là, c'est tellement dégueulasse, une grenouille, genre, il y a aucune estime okay, chance c'est que tellement ça adorable, fait que t'as jamais mangé de... Ah! Ah non! Mais bon, non. C'est la première fois que j'entends ça, c'est tellement adorable. C'est visqueux, c'est dégueulasse. Tu devrais faire tatouer une grenouille. Pour quelle raison? En l'honneur de ta part. Pour quelle raison? Pourquoi tu ferais ça? Ok, c'est un objet? Non. C'est-tu une situation? Oui, une situation. Une foule? Non. Le jugement des autres? Non. Parce que là, ça n'irait pas bien. Non, ok. Ça leur marre des gens. Ben attends, c'est comme pas une situation, mais c'est comme c'est quelque chose qui me rend inconfortable. Avec des gens? Y a-tu des gens? Mm-hmm. Ah, non? Non. Mais là, t'es seule puis tu parles en rire. On parle pas. Qu'est-ce que je te dis? Ouais. Des hauteurs. Ah. J'ai ben fucking pas d'auteur. Ah, vous savez, j'ai pas sauté en bas de jean. Ah, c'est vrai? J'ai l'horreur de ça. Hey, je pensais que j'allais me suicider. C'est j'ai vrai? Tellement peur de ça aussi. Ah, j'aurais pu écrire ça. Ouais. Fait que t'as pas deviné. Mais non. Fait que je te connais plus. Mais oui. Ça croit que je t'ai regardé pendant 3 mois. Ben, c'est ça. Mais je connaissais pas ton drink. Non. Mais c'est nice parce que si on s'en va maintenant, on passe faire des surprises puis donner des drinks, genre. Ben oui, c'est ça. Je vais t'amener un beau petit négrier sur le site. Hey, ma chère. C'est fucking nice. Ok, j'allais lire ma réponse, ça aurait été un peu dommage. Ok, ça c'est le genre de qu'est-ce qui, au moins, qu'est-ce qui te gâche chez les autres? Un truc qui t'énerve. Ben là, c'est sûr que tu l'as vu là, ça. Okay. J'en ai écrit 2. Ah oui? Ben ouais, mais ça ressemble un peu. Est-ce que c'est genre le manque de respect ou genre... Ben oui, j'ai écrit malhonnête. Okay. Ça a du rapport? Ouais. Mais malhonnête, mais c'est comme... C'est large, là. C'est pas... Tu sais, des personnes qui font des petites menteries pour... Les salopes de ce monde. Les connards de ce monde. Ou les connards. On les aïe ceux-là. Ouais, mais il y en a un autre qui est plus le mot. Parce que, tu sais, bon, tu peux même m'en dire si tu veux, c'est pas pire, mais comme ça, ça y est. Mais non, que ouais, ça a rapport aussi, mais non, c'est pas ça, je m'en quelqu'un qui se prend pour quelqu'un d'autre. Ouais, autant. J'ai ouais, dit. Autant. Ouais, ça me gosse. Ça gosse, même. Ça, j'aime pas ça. Moi, ça me gosse. C'est quand quelqu'un, genre, peu importe t'es qui dans la vie, je m'en tabarnak. Ouais. On est tous à la même égalité, là. Ouais, c'est ça. J'ai fait un cours de relations humaines à un moment donné, puis le monsieur, il avait dit devant tout le monde, tu sais, le pape, là, il va aux toilettes, il fait quelqu'un, il s'essuie. Il regarde sa mère, il replie son papier, puis il se ressuie comme tout le monde. Ouais. Puis ça m'avait vraiment marqué. Et genre, non! Pas de photo. Non, mais tu sais, c'est vrai. Oui, tout le monde fait ça, puis comme, descends ton image. Ouais. Ça me gosse du monde qui se trouve, tu sais, prends ta place, ouais. Mais pas trop, tu sais. Oui, 100%. Mais vois-tu? Ah, oh, on aime pas le même genre de personne. Yes! Attends. Des fois, il y a des moments que genre, j'ai envie de piquer dans la gorge, tellement que je suis comme... Voyons, prends mon fille, mettons. Un bon point dans la gorge. Ah! Voyons, on est tellement fait pour être amis. Il reste juste YouTuber. Une question. Oui, c'est qui ton ou ta youtubeur québécois? Merde, aidez-moi. Ouais. Pas facile. Ben là, j'ai entendu ce petit mot qui t'a marqué. Est-ce que c'est quelqu'un que je connais, tu penses? Oui. Ok, est-ce que c'est une fille? Oui. Ok, est-ce que c'est une personne quand même excentrique? Oui. Est-ce que c'est plus girly son contenu ou c'est plus comme trash, drôle? Trash, drôle. Ok, est-ce que c'est Lisa Nadeau? Non. Est-ce que c'est... Pas. Non? Ah! Drôle. Une fille drôle. Mais c'est vraiment québécoise. Hein? Oui. C'est pas de la France. J'en connais pas. Hein? J'en connais pas. J'en connais pas de youtubeur. J'en connais aucune! En fait, j'étais genre, qui fait de l'humour? Maintenant, sérieux, j'étais comme, à part moi, ça, disons, pis genre, gars. Non, j'en connais pas, j'en connais pas. Ah! Non, je te jure. Ben là, va falloir qu'on t'instruise. Ben oui, c'est pour ça que je suis. De l'industrie du YouTube. Hein? Non, okay, mais j'ai aucune chance que tu devines le mien. Oh my god, je suis sa YouTube préférée. Oui! Fait que je pense que ça mérite de vous abonner à moi. C'est un minimum. Oui. Malade. Oui, parce que je l'aurais pas fait sinon si j'étais pas à l'aise. Ah, oh, trop cute. Trop fine. En tout cas, whatever. En plus, finalement, j'ai gagné. C'est le seul moment cute de l'histoire. L'histoire du vidéo. Ok, bon, ben, bonne chance de trouver le mien. C'est un gars? Non. Ben, la mienne. Ok, c'est encore pire. C'est une fille. Je l'admire vraiment beaucoup pour son contenu pis ses montages. C'est vraiment sick ce qu'elle fait. Genre, c'est genre voyage, nanana, ou... Ah, ben là, c'est sûr, je connais pas. Ah, oh, mais? Ben, c'est sûr. Ben, je vais te le dire, mais il faut absolument que t'ailles voir ses montages. Ben, pas juste ses montages, juste ses vidéos. C'est Rosalie Lester. Ah, oh, ça dit quelque chose. Je vais t'écrire des noms. Oui, pour que j'aille voir. Oui, mais ça m'intéresse vraiment. C'est juste que j'étais comme inculte là-dessus. Là, ben non, c'est vraiment pas grave. Là, on commence tout à quelque part. Ouais, bon, ben je pense qu'on est officiellement amis. Ouais, on est amis. On a 20 mois. On est amis maintenant. Oui, c'est ça. Partage. C'est parfait.
Santé! Merci! Fait que là, ben, allez vous abonner à Maud. Parce à Maud et Julien. Ben oui, moi juste à notre chaîne, ouais. Maud. Ah, mais est-ce que c'est trop excitant d'avoir une chaîne avec quelqu'un? Oui. Moi, j'ai pas de chaîne avec quelqu'un. Non, mais une chance qu'on s'offre. Ouais, là, on est les deux, on est incultes là-dedans. Elle non plus, elle a jamais. C'est vrai. Tellement nulle en conclusion. Est-ce que t'es bonne en conclusion? Ben non, parce que c'est la première fois que je fais ça. T'es fière de faire ma conclusion? Ouais, vas-y. C'est excitant. Dis bye, puis dis d'écrire dans les commentaires quelque chose. Bye tout le monde. Merci de nous avoir écoutés, puis écrivez dans les commentaires. Tag ta BFF. Ben oui. Ben oui, ça. C'est cute! Bye! Mais pour vrai, j'ai une chose, c'est ça, j'ai une moustache de soeur. La classique moustache.